Hey les gens, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo entretien de cette madame là. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse avec la suite. I want you to show me how to get to know someone like you, someone like you. I want you to know me, cause I know then you'll see we could be true. We can be true. I want you to see what I see in us. Something so real. Something so real. Bon, là, je vous ai un peu comme une vidéo vlog, mais je vais vous poser pour que ce soit plus fixe. Donc, c'est une vidéo entretien un peu de Yuka, parce que depuis qu'elle est blessée, ben, on a une petite routine avec elle. Donc, je vais vous partager ça avec vous. Là, je vais attendre Marine. Normalement, elle va bientôt arriver. Elle va venir avec moi. Donc, j'avais pensé faire le box. Bon, là, pour l'instant, je le fais tous les deux jours. Donc, j'ai beau bien le faire, directement, c'est sale, hein, le lendemain. Si j'ai le temps, je vais essayer de la brosser parce que c'est sali les fesses. Je pense qu'elle se couche. Bah, c'est fort, fort probable, en fait. Et bah, lui donner à manger, je pense lui donner ses grains. Là, elle a plus beaucoup d'eau, donc remettre de l'eau. Donc à savoir que là, Yuka, ces temps-ci, elle a bof bof le moral, hein. Elle fait beaucoup la gueule. Mais en même temps, elle est dans un box tout le temps, donc voilà. Bon, les gars, puisque Marine est venue avec son oiseau Idil. Idil, c'est elle, donc je vais mettre une petite photo là parce qu'elle est trop chou. Bah, là, elle est partie la reconduire parce que c'est la deuxième fois qu'elle va dehors. Donc, elle a pas trop l'habitude. On a fait quelques photos avec Yuka, donc je vais essayer de vous les poster voilà, sur le compte Instagram. Donc, si vous n'êtes pas abonné au compte Instagram, bah, je vous le mets là, juste là. Donc là, puisque de toute façon, je vais attendre Marine, je vais brosser Yuka. Comme ça, ça rentre pas vraiment dans une routine parce que d'habitude, enfin avant, elle avait la couverture et là, bah, maintenant, elle commence à se recoucher un peu dans le box. Donc, elle est un peu sale. Donc, je vais quand même la brosser. Et voilà, je vais vous filmer ça. C'est du monde. Bon, bah, j'ai la flemme d'enlever le trépied, donc vas-y Marine, nous allons sortir le bac. Bien sûr. Marine, explique-nous un tuto. Ah non, pas de tuto village de bac. Hein. Ah, mais Talia, vraiment insupportable, c'est du monde. T'es insupportable. Voilà. Voilà, c'était fort dur. Thank you.
voilà, on explique les quantités. Ok, donc ça c'est du tourteau qui est fort, du, on va appeler ça picotin, non t'as des français, des granulés. Voilà. Okay. Bon. Du coup ça ce sont des granulés qui sont fort énergétiques et donc c'est 500 grammes par 100 kg de cheval. Donc pour Yuka c'est plus ou moins 2,5 kg, donc un gros quart de saut. Voilà. Et du coup, on ajoute son antidouleur. Dinalon équidose par voie orale, voilà. C'est trop un terme beaucoup trop difficile pour moi, déjà. Voilà, et donc c'est des petits granulés comme ça. Ouais, donc après, à l'intérieur d'elle, elle est bien, parce que sinon le dada, il va pas vouloir les manger. Voilà. Et voilà.